projet était de faire un film sur la musique à Kinshasa, parce que je sais que la musique est une des composantes importantes de la vie au Congo et particulièrement à Kinshasa. Donc je suis parti à Kinshasa et aussi parce que j'ai un ami qui est manager de groupe de musique congolais. Il avait des tournées qui étaient organisées pour ces groupes, mais il n'a pas obtenu les visas. Et je lui ai dit, puisque toi, tes musiciens congolais ne peuvent pas venir en tournée en Europe et aux États-Unis, moi je vais aller les filmer, je vais faire un documentaire sur la musique. Et puis quand je suis arrivé à Kinshasa, j'étais tellement impressionné par cette ville, la folie de cette ville. C'est le genre de ville, on aime ou on déteste. Moi j'ai aimé parce que j'ai trouvé des gens magnifiques. Des gens avec de l'humour, des gens avec une énergie. Et en même temps, j'étais terriblement choqué par la violence qui règne là-bas, par le fait qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, les rues sont dans un état lamentable, il y a des coupures d'électricité, d'eau, et aussi par ces milliers d'enfants qu'on voit dans les rues. Donc, mon projet a tout de suite changé, c'est devenu la musique, les enfants, la ville. Et pour raconter une histoire, j'ai donc été 5-6 fois en immersion totale, en vivant dans la cité. Je ne voyais pas un seul blanc quand je vivais là-bas. Et je rencontrais beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, des mamas, tout le monde. Tout le monde me racontait des histoires. Et ces histoires, j'ai voulu en faire état. Mais c'était difficile de le faire en tant que documentaire. Donc, où c'est très compliqué, où il faudrait 20 ans pour arriver à raconter tout ça. Donc j'ai écrit une trame narrative que j'ai filmée à la façon d'un documentaire, mais j'ai gardé aussi la structure d'un documentaire. C'est-à-dire que les scènes ne s'enchaînent pas normalement comme une fiction. C'est un peu un puzzle comme ça, et ça se construit comme un documentaire. Et cette façon de filmer aussi, je la voulais ouverte. C'est-à-dire que, oui, chaque scène, je savais ce qu'il fallait qu'il se passe, mais je voulais aussi laisser la porte ouverte aux imprévus. Et c'est ça qui fait qu'on voit le film, et les gens se disent, oui, mais documentaire, fiction, fiction, documentaire. Et quelque part, on s'en fout, c'est un film hybride entre les deux. On a fait un casting, j'avais aussi une assistante qui s'occupait des enfants, qui est Justine François. Et on a fait des castings qu'on a vu, quelques centaines d'enfants. Et pour trouver les meilleurs enfants et les mettre en confiance, parce que déjà ils étaient très impressionnés quand on avait une réunion, il y avait 50 enfants assis par terre ou ça qui se demandaient ça, je leur ai expliqué d'abord ce que c'est que le cinéma. Comment est-ce qu'on fait un film ? Parce que c'était ce que j'allais faire avec eux. Donc j'explique, voilà, quelqu'un est chez lui. Il se prépare et puis il sort. On va filmer quand il se prépare et un autre jour on va filmer quand il sort. On va pas tout faire le même jour. Et puis on va attacher ces deux petits bouts ensemble et déjà on a une petite séquence. La personne dessus, il sort et c'est comme ça. Et puis on met une musique au-dessus. Donc j'ai commencé à expliquer aux enfants ce que c'est les bases du cinéma. C'était assez beau parce qu'ils écoutaient. Et là ils étaient déjà un peu plus en confiance. Et puis j'ai dit bon maintenant on se connaît. Qui veut chanter pour moi? Alors voilà, il y en a toujours un qui dit ben moi je veux bien. Et puis ils chantent, les autres rigolent, commencent à chanter. Finalement, elle s'est plus à l'aise. Et ceux qui étaient les plus à l'aise, ben, petit à petit, j'ai construit un groupe avec des enfants un petit peu différents. Et alors, une fois qu'on avait le groupe, il fallait que ce soit un groupe soudé, qui se connaisse bien, parce que ces enfants vivent en groupe dans les rues. D'abord, ils doivent vivre en groupe pour se protéger. Et donc, on a loué une maison avec une maman qui faisait à manger, un professeur de français, de musique. Et pendant des semaines, ils ont vécu ensemble et on a répété des scènes. Et c'est filmé en repérage, c'est assez beau parce que on voit au début, ils doivent une séquence. Voilà, ça marche pas bien au début. Petit à petit, ils prennent de la confiance et ils ont vraiment appris à être comédiens parce qu'on a travaillé pendant plusieurs mois ensemble. Ce qui était difficile, c'était de trouver, y a des exorcismes partout, mais évidemment c'est interdit. Ce qui était difficile, c'était de trouver un pasteur qui accepte qu'on filme. Tout se fait en payant, hein. Vous avez vu dans le film que même si j'ai une autorisation, il y a quand même des policiers qui viennent me demander de l'argent, et puis il y a tout, voilà, il faut... Donc on a réussi à trouver une paroisse, une église du réveil,
qui accepte qu'on filme. Ça commence par un vrai coup de poing dans le ventre, parce que je l'ai vu, cette scène. Et là-dedans, on a introduit nos comédiens. Et donc l'enfant qui est dans cette scène, il a vécu la même chose. Donc on faisait rejouer un petit peu, mais il s'enfuit. Il s'enfuit, ben, il a vécu ça, voilà. Non. L'exorcisme que vous voyez, c'est un exorcisme réel. Réel. Par contre, à un moment, ils appellent José, c'est à lui à se faire exorciser. Et lui, il s'enfuit. Là, quand on appelle José, commence la fiction. Mais le début du film, c'est tragique, quoi. Quand il dit à cet enfant, dis ce qui va se passer si tu continues la sorcellerie, et il dit, la punition sera la mort. Redis-le, la punition sera la mort. Non, c'est ça, on l'a pas mis en scène, hein. Vous voyez, c'est violent. Par contre, dès qu'on appelle José, il s'enfuit, on part dans des séquences de fiction. Mais toutes ces séquences de fiction, elles sont vraies. Parce que les enfants ont vécu ces histoires. Voilà, c'est tout un travail, parce que mon projet, c'était à la fin du film que tous ces enfants sortent de la rue. C'est pas facile, parce que ça fait des années que ces enfants sont dans la rue, ça fait des années qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Bien sûr, il y en a qui veulent s'en sortir, mais enfin, retrouver la structure d'une famille, devoir aller à l'école, pour eux, c'est plus possible, parce qu'ils restent avec un passif très négatif par rapport à ces familles qui les ont rejetées, battues, c'est pas pour rien qu'ils sont dans la rue, hein, et donc mon projet, c'était vraiment qu'on arrive à les réinsérer. Alors sur les 8 enfants, il y en a 2 qui sont pour l'instant sauvés, une, Rachel, elle est retournée à l'école, ça va, elle se restructure. Emma, j'ai aidé sa maman à avoir loué une parcelle, et puis maintenant, voilà, il est retourné à l'école. Restent les 6 autres. Sur les 6 autres, il y en a 4 qui sont encore chez un éducateur, parce qu'on avait donné de l'argent pour qu'ils aillent à l'école, mais l'argent chaque fois a détourné. On a retourné une deuxième fois, on a à nouveau essayé. Une troisième fois, alors maintenant on a dit on ne va plus donner de l'argent à l'éducateur, on va faire un deal avec une école. Donc on a fait un accord avec un internat. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, les enfants n'étaient pas prêts. J'ai ici, pendant qu'on était ici à Venise, j'ai eu l'information, l'éducateur m'a appelé en me disant ils sont prêts à aller à l'école. On va voir. Enfin, c'est le projet, quoi. J'abandonne pas cette idée. Moi, je voulais aussi dire, expliquer le phénomène de pourquoi il y a ces enfants qui se retrouvent dans la rue. Bien souvent, la sexualité au Congo est assez débridée, les couples se séparent. Et quand les couples se séparent, ben, les femmes n'ont pas d'argent. Les femmes travaillent, mais les femmes n'ont pas d'argent. Donc les mères doivent déjà trouver un logement chez un membre de la famille, mais ne peuvent pas prendre leur enfant avec elles. Donc ces enfants sont obligés de rester avec le père qui lui est avec une nouvelle femme. Cette nouvelle femme ne veut pas garder l'enfant parce que c'est l'enfant de l'autre. Si jamais il y avait un héritage ou toutes les raisons possibles, elle ne veut pas. Donc, le moindre prétexte est bon pour accuser ses enfants de sorcellerie. Un des gosses du film, parce que j'ai fait un documentaire sur le côté, il me raconte, on m'a dit, tu appelles cette dame maman. Un jour, elle m'a demandé d'amener un verre, le verre était cassé, j'étais battu, on m'a attaché, on m'a dit, on va te tuer, tu es un sorcier. Je me suis enfui, mais je ne savais pas où aller, il avait 6 ans, 7 ans. Donc je suis revenu, on m'a de nouveau attaché, à 2 ils m'ont attaché, ils m'ont mis du mazout dans le cul. Enfin voilà, et donc ces enfants s'enfuient. Les mères, les belles-mères accusent ces enfants de sorcellerie, on les amène dans des églises. Et les pasteurs, il y a plein, il y a des milliers d'églises du réveil. Pour eux, quand on amène un enfant sorcier, ça justifie leur présence. J'ai bien raison d'être pasteur dans une église du réveil qui va sauver ses enfants, puisque regardez, il y a des enfants sorciers. Donc eux, c'est eux qui font tourner cette machine. Et ces enfants restent comme ça pendant des semaines dans ces églises, souffrent, jeûnent, on leur met du piment dans les yeux, enfin on leur fait pas mal de sévices.
pour après une cérémonie publique où on les délivre, soi-disant on les délivre. Mais même quand ils rentrent chez eux, les belles-mères ne veulent toujours pas. Donc il y a tout un travail qui est quand même fait par des associations comme leur père ou leur régère à Kinshasa, qui gère des centres, qui gère des éducateurs, qui trouvent ces enfants dans les rues, qui essayent de les amener dans les familles. Quand ils ont soi-disant été exorcisés, etc., ben, qui aident les familles à garder ces enfants pour leur faire comprendre que ce ne sont pas des sorciers. Mais voilà, tout ce système, et c'est ces églises qui font que... Voilà.